Bonjour, je suis Florian Lafou, fondateur et dirigeant de la société Track & Go. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi je suis venu dans l'Indre développer Track & Go. Track & Go développe des applications web et mobiles pour la gestion logistique du ramassage des bottes de paille et de foin. Elles sont destinées aux marchands de paille, aux éleveurs et aux ETA pour qu'ils puissent améliorer la durabilité de leurs activités. Nous sommes en septembre 2018 et je suis diplômé de l'ESA d'Angers. Je décide de continuer dans l'entreprise où j'ai fait mon apprentissage à Rennes avec un CDD de 6 mois. En même temps que ce CDD, je continue à travailler sur mon projet Track & Go. Nous arrivons en février-mars 2019, je me lance à temps plein sur le projet Track & Go et en même temps, je décide de revenir dans ma région natale au plein cœur du parc naturel régional de la Brenne. Si je suis revenu dans la Brenne, c'est pour deux raisons. La première, c'est pour la beauté de ce territoire. La Brenne est aussi appelée le pays des mille étangs et elle est connue par les passionnés de la nature et des oiseaux. C'est un territoire de plus de 1000 km² riche en biodiversité avec une flore et une faune passionnantes. La seconde raison, c'est que la Brenne est un territoire d'élevage de ruminants et c'était intéressant pour le développement de Track & Go d'y revenir. Il se trouve aussi que nous sommes au centre de la France et c'est très facile d'aller d'une région à une autre pour découvrir de nouveaux territoires aussi pour le développement de Track & Go. Le point de départ du projet Track & Go est ma participation à l'hackathon E-Green Startup organisé au Tech Élevage en novembre 2017. Le projet à l'époque s'appelait D'une botte de coups et il a eu la troisième place. C'est comme ça que l'aventure entrepreneuriale Track & Go a commencé. Je suis revenu dans l'Indre développer mon projet Track & Go puisque j'avais la possibilité de me faire accompagner dans la création de startups. En effet, The Place by CCI est le dispositif Start & Go qui accompagne les porteurs de projets dans la création de leur startup. Pour ma part, il a duré environ un an pendant lequel j'ai pu créer mon entreprise et intégrer une structure d'accélération de startups dans laquelle The Place by CCI continue à intervenir avec l'animation d'ateliers et de formations. Cette structure d'accompagnement est le village Baïséa de Châteauroux, dans lequel je suis installé depuis octobre 2020 et qui m'accompagne dans l'accélération de Track & Go. Aujourd'hui, Track & Go lance la commercialisation de son premier produit, Cropéo, une solution pour la gestion logistique du ramassage des bottes de paille. Cropéo sera opérationnel courant avril 2021. D'ici là, vous pouvez retrouver plus d'informations sur trackandgo.fr ou cropéo.fr.